Mélanie Chapuis, dans la tête de tome 2, nous avons mis votre livre au catalogue pour le tome 1. On va voir de quoi il s'agit, mais on va surtout parler de L'empreinte amoureuse, roman, tous les deux chez L'Âge d'Homme. Merci d'être là. Merci à vous. Dans la tête de, c'est toujours le même principe. Vous vous mettez dans la tête de quelqu'un d'autre, homme ou femme, et vous donnez votre version de leur réalité. Exactement. Donc l'idée, c'était chaque semaine de prendre des personnalités qui faisaient l'actualité d'une façon ou d'une autre et d'imaginer ce qu'elles pouvaient ressentir, donc d'entrer dans leur peau. Évidemment, c'est de la fiction, hein. C'est un travail de romancière autant qu'un travail de journaliste. Et voilà, d'imaginer ce qu'elles pouvaient ressentir et qu'elles, évidemment, ne disaient pas aux journalistes. Alors on va faire un petit clin d'œil parce que il y a en page 55 une des petites nouvelles dans la tête d'Hakim. Ça ne s'invente pas, mon cher Hakim, c'est lui qui est à la caméra. D'accord. Le froid, maman et Allah. Début de la vague d'adolescents européens qui partent vers le djihad en Syrie. Qu'est-ce qui vous touche dans cette, ce qu'on appelle nous une dérive de ces adolescents qui sont attirés par on ne sait quoi ? Ce qui me touche, c'est qu'ils soient attirés par ça et qu'est-ce qu'ils vont chercher qu'on ne sait plus leur donner ? Voilà, ça me touche énormément de voir tous ces départs, de voir tous ces gens fanatisés, tous ces jeunes fanatisés qui ont pas, qui trouvent pas ce qu'ils veulent là où ils sont nés. Alors on peut trouver ça à travers le bouddhisme, on en a eu, on trouve ça à travers des spiritualités un peu alternatives. Mais il y a de moins en moins de spiritualités qui sont pas trop extrêmes justement, oui. C'est ça aussi qui est désespérant, qu'il n'y a plus de ces spiritualités douces, c'est soit on croit trop, trop fort, trop, soit on est trop fanatique, soit on croit pas. Il n'y a plus de juste milieu, j'ai l'impression. Et c'est la mère qui s'exprime en vous quand vous dites ça. Vous imaginez vos enfants risquant d'être saisis par ce démon? Bien sûr que c'est souvent la mère qui s'exprime quand j'écris ces chroniques, surtout quand ça parle d'enfants. Oui, je me mets à la place de ces femmes qui voient leurs enfants partir, qui les ont pas éduqués, qui les ont éduqués dans leur tradition, mais qui les ont pas éduqués à être aussi fanatique. Il y a même des petits catholiques BCBG qui partent, oui, tout à coup faire le djihad. Donc c'est assez fou comme phénomène et assez terrible. Ouais. Alors je vous recommande de le lire parce que c'est toujours très intéressant. J'aime votre style. On va parler maintenant de L'empreinte amoureuse. Mélanie Chapuis toujours, roman toujours, chez L'Âge d'Homme toujours. Alors L'empreinte amoureuse, c'est un peu ambigu parce que vous vous mettez cette fois dans la tête comme auteur du héros central, il lui arrive une chose qui arrive de plus en plus, on a l'impression, autour de nous, c'est qu'un beau jour, alors qu'il ne s'y préparait pas, il sort de chez son médecin condamné par un cancer. Pas condamné. A priori, se croit condamné. Oui, c'est différence sémantique. Il se le croit. On ne va pas vous dire la fin, mais là, on a déjà dévoilé une chose. Occasion pour lui de faire un bilan qui est intéressant, c'est le bilan des femmes de sa vie. Voilà, il se demande que reste-t-il de nos amours, de ses amours à lui. Sa chance d'ailleurs, ça, oui. Il va d'abord chercher sa part d'immortalité, en fait, se dire, je vais mourir, qu'est-ce qui restera de moi quand je serai mort? Et puis, il va donc recontacter toutes les femmes qu'il a aimées. Moi, ce qui me plaisait, c'était d'opposer ses souvenirs à lui, à leurs souvenirs à elle. Et plus il va avancer dans cette quête, plus il va se rendre compte que c'est peut-être pas le moment de mourir ou qu'il a encore du travail à faire. Oui, alors il retrouve, j'ai plus les prénoms en tête parce que je l'ai lu il y a quelques temps, mais il retrouve les femmes que, il y en a qui refusent d'ailleurs de le voir, je crois. Et puis il rencontre une qui était sexuellement le paradis, une autre où ils auraient bien pu vivre ensemble. L'histoire de la petite juive new-yorkaise qui est étonnante. Est-ce que on sent que c'est comme si vous aviez vécu ça autrement? Est-ce qu'il y a des transpositions qu'un auteur s'autorise parce que vous êtes une femme? Il y a des choses que j'ai vécues. Oui, effectivement, sous certains aspects, Bruno, mon narrateur, me ressemble pas mal. Je lui ai prêté mon passé. C'est aussi un enfant diplomate qui a voyagé un peu partout. Donc c'est un déraciné. Donc c'est aussi un livre très mélancolique sur le déracinement. Et plus on est déraciné, plus on va s'accrocher aux êtres, puisqu'on ne peut pas s'accrocher à une terre. Donc il y a aussi ça chez Bruno. Parce que vous évoquez le fait que c'est Michel, son prénom, à la fille new-yorkaise, où ils vont cacher à la mer que la fille est morte et ils vont faire croire qu'il y a eu quelque chose alors qu'il ne s'était pas déclaré. Ça, c'est de la fantasmagorie ou bien c'est une inspiration d'auteur? Non, ils ne vont pas cacher à la mère que la fille est morte. Simplement... Qu'il n'y a pas eu d'histoire entre eux, en fait. Non, je catapulte deux choses. Oui, Bruno, en fait, il quitte Michel et c'est terrible parce que Michel meurt d'un accident de voiture un mois après. Oui, ben c'est ça. Donc c'est il porte cette immense culpabilité d'avoir quitté cette femme au lieu de se dire j'aurais pu rester avec elle l'aimait jusqu'au bout au moins.
elle serait morte heureuse. Et donc, il va faire croire aux parents de Michel qu'ils étaient toujours ensemble. Oui, voilà, c'est ça okay, que je dis. Okay, je dis comme ça. C'est vous qui catapultez, vous avez fait trop d'interviews ces jours-ci. Donc, moi, j'ai été touchée par ça. L'autre chose, quand je disais ambigu, il n'y a rien d'ambigu, mais comment se fait-il qu'une femme comme vous se mette dans la peau d'un homme pour parler des femmes? Est-ce que vous réglez des comptes? Non, mais c'est pas ça. Je trouve qu'on exagère trop les différences de genre. Et j'aime bien être un homme des fois. On a tous une part masculine. Nous, on aime bien que vous soyez une femme quand vous venez sur ce plateau. Mais et puis j'avais fait un précédent roman où j'étais Marie, où ma narratrice était Marie, la mère de Jésus. Donc c'était une femme très idéaliste, très très excessive, très amoureuse, très. Elle avait tous les attributs de la féminité, si on veut être un peu dans le cliché. J'avais besoin d'un personnage qui serait plus dans la retenue. Et j'avais envie de parler d'amour à travers un homme, parce que j'ai déjà fait des romans qui parlaient d'amour en tant que femme, comme femme, qui étaient plus autobiographiques. Et voilà, j'avais envie d'un homme pour ce livre-là. C'est un homme que les femmes révèlent à lui-même, donc... Je trouve qu'on a tous aussi la même façon d'aimer, qu'on soit homme ou femme. Oui, avec les mêmes balourdises et les mêmes souffrances, les mêmes passions, les mêmes exaltations. Il y a peu de différences. Je trouve que des fois, on exagère trop ces différences. Et j'avais du plaisir à être Bruno Richard plutôt que Marie dans le précédent. Oui, c'est bien. En même temps, c'est un substitut. Petite question, est-ce que quand on vous lit, nous, on se dit qu'il y a un... Il faudrait peut-être pas arriver à cette extrémité d'avoir un médecin qui vous dit que vous êtes au bout du rouleau pour réfléchir un peu avant? Je suis d'accord, on s'arrête plus, on prend plus le temps de réfléchir à notre vie, à nos déterminismes, à ce qui nous constitue. On prend plus le temps de savoir pourquoi on a aimé les gens, comment on les a aimés, de le leur dire ou de... Et à Bruno, effectivement, il lui faut une maladie qui, dans ce livre, est à prendre comme un espèce de rite de passage, en fait. Et souvent, il faut des chocs pour qu'on se pose, hélas. On a besoin de plus en plus de chocs pour se poser, sinon on est constamment en train de courir. Voilà, Quand on rencontre quelqu'un 20 ans plus tard ou 30 ans plus tard, et qu'on a aimé beaucoup, est-ce qu'on ose le dire sans se mettre en risque et de dire, bah voilà, il faut que tu saches que c'était ça? Il faudrait oser, non? C'est toujours beau d'entendre qu'on a été aimé. Oui. Donc, et puis je trouve que c'est beau ces liens qui traversent le temps. Ça peut être, des fois il lui reste des détails à Bruno, c'est des impressions, c'est pas grand chose, mais oui. C'est quand même un lien qui traverse le temps et qui dit le reste de cette histoire qui a été vécue. Les histoires, on les vit souvent dans des périodes de nos vies qui sont importantes à d'autres égards. Je trouve que les êtres qui parcourent nos vies nous enracinent autant qu'une terre, un pays, une ville. Et je trouve que c'est beau de prendre le temps de se souvenir de ces personnes-là. Merci. Alors, c'est derrière ce brin de femme que vous nous présentez aujourd'hui de cette interview, il y a une réflexion que l'on peut se faire, c'est que quand on vous lit, on fait un peu le bilan. Alors, je ne dirais pas que j'ai fait mon bilan, mais j'ai réfléchi à tout cela. On ne va pas parler de la chute qui est optimiste. Oui. C'est un peu une condamnation, comme vous le dites, un petit peu métaphorique. Oui. C'est un peu ça ? Tout à fait. Avec quand même la volonté de travailler, d'imaginer ce que c'était que d'être malade, parce que ça nous arrivera soit à nous, soit aux gens qui nous entourent. Et voilà, c'est très difficile. Bruno, il se bat. Il y a des moments où il se demande s'il est responsable de sa maladie, si c'est lui qui l'a créé, parce qu'il n'a pas su dépasser certaines choses et que donc il s'est créé un cancer parce qu'il n'a pas su mieux se débrouiller avec ce qu'il était, ce qu'il avait comme capital. Il y a d'autres moments où il se déteste et où il se dit non mais je vais pas en plus me sentir responsable alors que j'ai un cancer, oui. Comme s'il fallait en plus culpabiliser d'être malade. Donc il y a aussi cette réflexion autour de la maladie, mais c'est vrai que c'est pas ce qu'il y a de plus important dans le livre. Alors ce qui réussit en tout cas, c'est que vous ayez été malade ou que vous ne l'ayez pas été, Dieu merci pour vous, c'est un livre de réflexion, c'est comme un livre enseignement, c'est comme ça que je l'ai pris. Et voilà, et puis on aime votre style, L'Empreinte amoureuse, Mélanie Chapuis, un roman aux éditions de l'Âge d'Homme, et je rappelle que Dans la tête de, c'est le deuxième volume, il y aura un troisième Non, parce que les chroniques dans le temps se sont terminées, donc il y aura autre chose. Parfait, on se réjouit, merci beaucoup. Merci.